Ah là là, Peach. Oula, les Koopalings. Salut à tous, c'est Alex le Serveur, on se retrouve pour Super Mario Maker 2. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas fait un épisode et pourtant il y a eu des mises à jour. Donc il y a des choses à voir. Dans cet épisode, on va s'intéresser au Ninja Speedrun. Alors cet épisode est sponsorisé par Gripsune, qui est donc un des membres de ma chaîne. Hop, je vous invite du coup à faire comme lui, à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. C'est en bas à droite de la vidéo. Voilà. Et ça vous permet de me soutenir. Et puis ça m'aide pas mal, donc c'est très gentil si vous le faites. Donc merci, merci aux dizaines de soutiens déjà. Et merci à Gripsune d'avoir sponsorisé cette vidéo. Parmi les paliers, il y a des paliers liés au jeu des Sims, notamment les Sims 1 et les Sims 3. Et donc, le palier qu'a utilisé Gripsune, qui est celui qui vous permet de choisir un épisode. On peut pas tuer le soleil. Ah. Enfin, de choisir un épisode supplémentaire d'un de vos let's play préférés. Et Gripsune a donc choisi Super Mario Maker 2. J'en profite pour faire le niveau, hein, tant que je suis dans ma lancée. Alors, il n'y a pas eu de nouveau design. C'est dommage, j'aurais bien voulu de nouveaux designs de jeu. Pour ce Super Mario Maker 2. Qui me donne très envie aussi, tout simplement, de jouer à Super Mario All-Stars. Et de refaire, du coup, les vieux Mario. Allez, hop. Jouer. Alors, c'est dans quoi, du coup? Mode histoire, on a fini, hein. On va aller se promener du côté du château, mais normalement, c'est fini à 100%. Voilà, 100%. Alors, créer un super monde. Ça, c'est le monde au stock. Voilà, ça, c'est nouveau. Alors, ça fait partie des mises à jour. C'est en gros comme dans Super Mario World. Voilà. Ah, la musique, génial. Tout, 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 tout. Les ninjis contre la montre des ninjis. Les succès. Chapeau sonore. Et donc en gros, voilà, grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais créer des super mondes, c'est-à-dire un ensemble de composé de 1 à 8 mondes. Chaque monde s'articule autour d'un chemin qui relie le départ à l'arrivée, représenté par le château. N'oubliez pas que pour que vos mondes fonctionnent, il faut que vous placiez un stage au niveau du château. Pour cela, touchez le château, maintenez A enfoncé. On se fera un super monde, hein. Voilà. On peut les publier. Toudoudou. Toudoudou. Monde 1. Ça, c'est la gomme. On va recréer un stage. Nouveaux éléments disponibles. Attends, pas que je me perde dans les boutons. Bowser. Alors, comment on fait pour... Je sais même plus comment... Voilà. Bowser Hazel. Et on peut aussi faire Mega Bowser. Ça c'est mortel, hein. Un gros Bowser ici. Ah là là. Les Koopalings. Voilà. Terrain, ennemi, voilà, bébé Bowser, Mecha Koopa, et donc ils ont inclus les Koopalings, et ça c'est quand même génial. Donc avec leur design de Super Mario Bros 3, le design classique, et alors c'est marrant c'est qu'ils les ont refait pour la version Super Mario World. Ah.
Voilà, c'est pas... Vous l'avez vu, hein, Super Mario World, il est en let's play sur ma chaîne, il ressemble pas à ça normalement dans le jeu. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont refait. Bowser, c'est normal parce qu'il était dans sa coupe à mobile. Mais là, ouais, ils ont changé le design de... C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'ils reprennent les originaux. Et comme ils étaient pas dans Bros, les Koopa Ling, voilà, ils ont inventé des designs de Bros, et c'est pas mal quand même. Alors ma Koopa Ling préférée, évidemment... C'est Wendy. Wendy! Morton, Roy. Roy! On regarde un peu leur design. Voilà, donc le design classique. Alors là, on va changer de style complètement. 3D World. Et là, je veux juste voir. Ils y sont pas. Ok. On a que les classiques. Ok. Allez. Dojo. Écran titre. Alors, c'est pas dans le mode histoire du coup. J'étais dans le vide là si je fais ça. Ça va être dans stage du monde. On va aller voir ça. Il se peut que nous supprimions des stages publiés, que nous réalisions le nombre de cool, tout ça. Ah oui, s'il a profité de bugs, tout ça, ok. En trichant. Eh ben, pas bien. Alors, je voudrais bien changer mon style. Voilà. Quand même, mettre ma perruque. Attends, ah, LS2? Pourquoi LS2? Déjà pris. Alex le sert. Voilà, c'est rigolo. Contre la montre des ninjas. Alors, on va tester ça. Donc, l'objectif, c'est simple. Oula, 52 000 joueurs. C'est d'aller le plus vite possible. Autrement dit, c'est pas forcément là où je serai le meilleur, mais bon. Repérons les lieux. Ok. Ok. Faut être patient. Donc on va, sans se presser, on va déjà apprendre à faire le niveau. Pff, oh là là, déjà ça faudra pas. Faudra sauter sur le deuxième. Sauter là. Aïe aïe aïe. Là j'ai besoin de ma chaussure, ok. Popopo. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur le début du coup. Voilà. Ah, oh, purée, il monte haut lui. Pour jouer contre les fantômes des autres. Par là. Ok. Ok. Si je veux changer de chaussure. Bon là c'était pas la peine. Deux fois c'était suffisant. Faut beaucoup de précision. Bah oui tu m'étonnes. Il est long, dis donc. Ouh.
Eh ben. Alors voyons voir. Donc là, il compare du coup le temps que j'ai fait aux autres. Et il va pouvoir me dire où je me situe, si je suis plutôt bien placé ou pas. Allez, ça va encore. Et du coup, il y a les petits fantômes ninja qui vont apparaître. Voilà, ça c'est tous les autres joueurs. J'adore. Ça commence bien. Donc là, hop, voilà. Ah, purée. Il y a un petit ninja sans chaussures. Oh là là, c'est terrible. On va pouvoir recommencer, hein. Mais on s'entraîne en même temps. Ah là là, chaque fois je me fais avoir ici. Allez! Les petits ninjis qui viennent de Super Mario Bros. 2, que j'aurais bien vu en... J'ai fait moins bon. Ouais, forcément, j'ai galéré un moment. J'aurais bien vu en... Voilà. Si déjà, au début, je suis pas attentif. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ta-ta-ta-ta. Ok. Voilà. Pas mal. Eh. Quand même gagné plus de 20 secondes. Ça c'est bien. Très bien. Et on a battu tous les ninjis. Enfin les ninjis qui étaient avec nous du coup pour ce niveau. Pour cette fois-ci en tout cas. Parce qu'à chaque fois, il y a de nouveaux ninjis qui vont apparaître. Et là, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Alors je crois qu'il n'y a qu'une seule course ninji. Oh, une petite coiffe. Est-ce qu'il y a plusieurs? Non, il y en a plusieurs, regarde. Formidable. Ben voilà. Événement terminé. D'accord, là c'est en cours. Ok. Bon, on va tous les faire. Repérons les lieux. Alors. Donc là, tu choisis ton arme déjà. Ok, bon. Donc en gros, fallait prendre le feu. Ok, donc on prend le feu. Crotte. Ah, le gros... il m'a coincé. Ah, merde. Par où est-ce qu'on peut passer? Voilà. Par en dessous. Ah mince. Ah. La tête pique. Y a pas des têtes de légumes. Comme ça, moi en ce moment. Voilà. Là, c'est simple. Sans se presser.
Encore une fois, j'ai pas réussi à m'accrocher, mais c'est pas grave. Ah, purée. Mais là... Ah non, mais le bloc peut les pousser, en fait, d'accord. Ok, ok, ok. Si le bloc peut les pousser, après tout. Alors, je me demande s'il faut pas récupérer quand même le marteau. Le marteau, c'est tout bénef. Ouais, regarde, tu vois. Parce que là, tu gagnes du temps, quand même. Tu vois, tu passes au-dessus. Chaque fois, je me fais avoir ici, en plus. J'arrive jamais à m'accrocher. Il y a un bouton pour s'accrocher. Comment tu t'accroches? J'essaie juste de m'accrocher là, je fais pas de record. Bah. Ça va être juste de la déco en fait. Comme d'habitude, là je me fais avoir. Voilà, on perd du temps parce que j'ai rien à jeter. Du coup là il faut redescendre. Ok. Ça qu'il me faut, c'est le marteau. Non, mais obligé qu'on peut, on peut s'accrocher à ces trucs quand même, c'est pas possible. J'ai complètement oublié. Bien plus pratique. Bon, un peu lamentable. Donc le marteau me paraît être la meilleure option. Donc Luigi marteau. D'ailleurs, le marteau qu'on peut avoir dans les Lego Super Mario. Je vous invite à aller voir mes unboxings. Ouh là là. Ouh là là. Bon, je changerai de personnage plus tard. On peut faire comme ça, tu vois. Ok. Non! Je vais tomber KO de toute façon. Putain, là, j'aurais pu passer au-dessus. Pam pam pam, non mais je le sentais de toute façon. Allez. Donc te fais pas avoir par la plante. Qu'est-ce que... Oh non mais c'est pas... D'où là? Ah, il tire et... Oui, il y a le tuyau qui revient. Eh ben. Allez. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir mon let's play de Paper Mario The Origami King, qui vient de sortir du coup sur Switch, et qui est vraiment très très bien. Allez jeter un oeil. Très kiffant ce jeu. Voilà. C'est pas grave. Est-ce que je peux lui foutre des coups de marteau? Oui. Voilà. Oh non! Mais là, qu'est-ce que je fais? Là, on est... En fait, non, il faut pas perdre de temps.
Ouais, pas terrible. Il y a moyen d'optimiser ça. Hein. Oh super, j'ai loupé le truc. On va essayer une dernière fois. Sacré ninja. Donc là, bon, déjà on va avancer un peu plus dans le classement. On a gagné 20 secondes là aussi, mais on peut descendre sous la minute quand même. Ouais, tu vois, pas terrible. Pas terrible. Au taquet dès le début en même temps, s'il prévient pas. Il va mettre 3-2-1 quand même. Voilà. Une 93 là. C'est pas mal. Ah non! Trop avancé. 2-0-7, vous voyez, déjà là, on a perdu un peu de temps. Voilà. Donc là, moi, je ne sais plus m'accrocher. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas du bouton. Voilà. Ah. Voilà. Pff, très bien. On est passé sous la minute, c'est ce que je voulais. Par contre, je sais plus comment m'accrocher, c'est terrible ça. C'est bizarre, j'appuie sur O, j'appuie sur... Écoute, ça me reviendra peut-être à un moment où il faudra vraiment que je m'accroche, mais là, sur des speedruns, forcément, c'est un peu embêtant. Ouais, bon. On n'est pas non plus top of the pop, mais ça va, on fait mieux. Hop, le festin de plantes piranha. 25 plantes piranha avec l'aide de Yoshi. C'est sympa. Tous les moyens sont bons pour les vaincre. Alors, il y a 25 plantes à éliminer. Est-ce que je pouvais les tuer en rodéo à tester. La faire bondir sur le squelette Rex. Pièce, on s'en fout, loup. Là, il aurait fallu la garder. Ah, il m'en manque 5. Voilà, déjà, il faut carapace obligatoire. Super. Est-ce que les eaux qu'on crache font des dégâts? Oui. Ouf, allez, hop, s'en fout. Phew, eh ben.
Alors, une 49, bon bah c'est pas terrible, hein. Franchement, peut mieux faire. Peut mieux faire. Ah oui, peut largement mieux faire. Alors, ah, du coup, Yoshi est symbolisé par une petite voiture verte, c'est trop mignon. Ouais non, tout mauvais, tout mauvais. Là il fallait garder le... Ah ouais. Donc il y avait un coup pas juste là. On va recommencer. Il y a un coup pas juste avant, donc pas besoin de se prendre la tête. Il y a juste à renvoyer le coup pas qu'il a. Déjà une petite erreur. Hop. Deux erreurs. Trois erreurs. Là par contre, il y a un gain de temps à faire. Voilà. Gain de temps. Et là, je la... Ouais, ok. Et là, je la réavale pour la rejeter après. Ok! Freine. Trop d'enthousiasme. Ok. Choc. Cacaoc. Oh, pomme de terre. Adieu, monde cruel. Allez, on reprend. Dommage, on était bien parti. Hop. Non, faut pas lui sauter dessus. Oh là là. À chaque fois, je l'oublie. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, mais... Là, la carapace n'est pas passée. Ah, mais il y a celle-ci. Ouh, et ben. Ah, je suis pas comme tu dis. Ouh. Pas évident. Pas évident, celui-là. Ah, bah, pas le droit à l'erreur, hein. C'est le principe du speedrun, hein. Si tu veux faire le plus vite possible. Alors, oh, allez, on va retenter un petit peu. Tant qu'on est chaud. Et sinon, on pourra passer au suivant. Oui, bon, on va la faire différemment. What?
Les trois, c'est bon. Oh, purée. Oh non! Oh purée, j'étais bien parti. Il n'y avait pas ici normalement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Ah, peut-être qu'elles ont été tuées par les os du Scolarex que j'ai lancé tout à l'heure. Beaucoup de tant mieux, hein. Ah, le décor du fond tremble, non? Oui, si. Ça fait peur. Alors, c'est mes yeux. Allez, c'est déjà un peu mieux. Course gonflée. Mario Baudruche. Alors, j'ai repéré justement un super monde intéressant. Qui reprend en fait Mario 64. Alors, qui est en let's play, mais là, ils le font en 2D du coup. Donc, si vous voulez le Mario 64 original. Ah, la musique de Mario Kart. Oh, génial! La route arc-en-ciel. Faut pas toucher la bordure du coup. Oh, génial! C'est la déco, d'accord. Ah, mais c'est hyper inventif. Ah, je suis à voir. Ah, d'accord, ok. Faut choper les 5. Paf. Non, hyper inventif le monde dont je vous parle avec Super Mario 64 parce que ça recrée vraiment la capture des étoiles remplacées par des pièces rouges du coup et dans des niveaux qui rappellent vraiment, enfin comme une traduction en 2D de ces mondes en 3D en espérant qu'ils ressortent du coup pour l'anniversaire. Allez. On est déjà en retard. Regardez les ninjas comme ils sont rigolos comme ça. Ah, dommage. Ah. Là pour le coup c'est une vraie course hein. Parada, papa, parada. Ah, j'ai adoré, j'adore ce niveau. Ah, j'ai dit que j'allais changer de personnage aussi. J'aime bien Luigi, mais j'aimerais bien jouer avec Mario aussi. Vu qu'il n'y a pas Peach, on aurait pu la rajouter quand même. Ah, j'ai envie de la refaire, allez. Virage un peu large. Ah, trop large. Aïe, aïe, dommage. Oh là là, oh là 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 là. Oh, je suis moins bon là d'un coup. Est-ce qu'il y a moyen de toucher sans repartir de rien? Ah non, je pense pas. Fouch! Ah, j'ai fait un peu moins bien.
Ah, j'étais pas loin, tu vois. Allez. Là, j'ai un deuxième vêtement. Option. Yes. Donc ça c'est fait. Enfiler tour à tour un des 5 objets pour assembler les pièces roses. Ah là là là, ça va pas être facile ça. Donc là ça va être en plus un peu de réflexion. Sans subir de dégâts. Ça commence bien. Je suis pas le seul à ne plus savoir m'accrocher, c'est ça. Ok, donc là. Pas. Ok. Merdoum. Là, comment je fais? Je peux pas s'accrocher. Là, je... Ah bah si. Mince. Comment il marche ce truc? Que je sois au-dessus. Ouais, j'essaie de comprendre déjà. Est-ce que je peux emprunter les tuyaux avec ce... On va le tester facilement. Bah non. Là je vois pas. Comment j'entre dans ce tuyau? Ah purée, il faut redescendre ici. Ah ouais non. Bien sûr. Tu le fais pas tout de suite ça. Alors évite de mourir tout de suite par contre. C'est bien, faut juste penser à remonter au bon moment. Dommage. Ça fait quoi ça? Ok, elles attaquent plus du coup. Merdoum.
pas le bon... Ok, donc là, je repars par là. Ok. Ouais. Donc le canon... Je termine par le POW en fait. Pas grave. Ah oui. Pas de dégâts. Oui. Mais ça va, ça va, ça va. Là, j'ai commencé à piger. On a un ordre assez optimisé. Donc là, elle n'attaque pas car elle me prenne pour un Goomba. Donc là, en bas. Pas mal, et pas mal du tout là, je trouve. Pam pam pam. Ah là là. Là, ça m'a un peu stressé. Les speedruns, c'est. Faut y aller, hein. Ouais, bah moi je trouvais que j'étais plutôt pas mal, mais apparemment j'ai pas forcément pris un ordre très très conseillé, hein. Bon, alors du coup, traversée suspendue. Quoi de plus agréable que de traverser ce stage en passant d'une pince suspendue? Ouh là 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 là. Ça, ça va être. Ça me fait peur. Ah là là. Ah, Mario Sunshine. Ressortez-le aussi, bon sang. Ouais, ok. Oh là là. Ah, je vais galérer dans celui-là. Ça. Bon, objectif, au moins le finir, hein. Enfin, une deuxième fois quand même avec un peu moins de galère. Oh là là. Il se moque de moi. Ça a beaucoup de précision. Ouais, tu parles. Laisse-moi tranquille. Oh, jusqu'au bout. Eh ben. Alors celui-là, je vous le dis tout de suite, on fera pas de record. On n'ira pas très loin. Il y a plein de gens qui arrivent à l'optimiser. Non, moi je suis bien là avec les 1 minute. Bon, l'important c'est de participer. Donc la musique, le côté GameCube, donc j'imagine que voilà, inspiration Delfino. Ils vont beaucoup plus vite. Le ninja de tête va beaucoup plus vite. Tu vois, à peine il est là. Ah ! Dommage ! Fallait aller tout droit. Si tu veux gagner, tu prends pas le champignon aussi. Hein. Faut bien mesurer le saut.
Je souffre. Je vous jure que je souffre. Oh, trop douloureux. Trop dans la douleur, là. Oh non, oh pitié. Oh, c'est déjà pas mal de l'avoir terminé. Bon. Alors, les pinces, non. Alpinisme sous les bulles bourrins. Ah, Super Mario World, j'aime bien cette ambiance. Dans ce stage, il faut escalader les falaises au milieu d'une pluie de bulles bourrins et de boulets de canon. Trouvez le bon timing, vous pourrez escalader les falaises en rythme, prendre le chemin le plus sûr et la clé pour améliorer le temps. Oula, ok. Alors oui, il n'y a pas de saut avec R dans celui-là, hein, donc détends-toi. Voilà, donc là tu fais de l'escalade. Pourquoi ils refont pas un Super Mario World en entier ? Tellement bien ce jeu. Genre les mêmes graphismes, simplement des nouveaux niveaux. Mais vraiment les mêmes graphismes. Hein. Oh misère. Je pouvais sauter dessus. Alors, on est placé où? Ouais. Donc là déjà, voilà, nos stress. Essaye de le faire sans champignon, même si tu vas te prendre des coups. Change d'endroit. Là, tu vois, j'aurais pu. Ouais, comme c'est ascensionnel, hein, tout ce qui est saut via les bilbourins, ça fait quand même gagner un temps précieux. Enfin, via les boulets, via les ennemis, via... Ah, dommage. Là, regarde, tu sautes. Le premier, tu sautes et après, tac, tu fonces. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça marche. Mais bon, quand ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi les autres préfèrent aller par là? Moi je trouve que par là c'est pas trop mal. Bon, ça c'était inutile. Merdoum. Dommage, 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 dommage. Voilà. Tu cours, tu t'en fous. Pas mal.
Mais on a fait mieux quand même. Ouais, c'est toujours pas terrible, mais bon. Ça avance. Un t-shirt à bavoir. La rue Mario Chat. Oh, j'adore. On va jouer en chat. Ok. Ah, relou. Une clé? Apparemment. Donc là tu refais, mais en fait tu vas... Voilà, comme ça. Ok, tu restes là. C'est rigolo. Très rigolo comme niveau. Miaou. Hop. Allez. Alors est-ce que je vais tout droit? Oh, purée. Ça commence bien. Ah! Évidemment. Bon, au bout d'un moment, faut pas s'attendre à des miracles non plus, hein. Oh, purée. Relou ce chat. Mais fais un saut mural. Voilà. Ah. Tarte. Tartignole. Oh là 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 là. Mauvais, 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 mauvais. Ah et puis là. Ça va être beaucoup moins drôle. Et beaucoup moins rapide. Alors... On y va ? Bon, c'est pas mal, on touche presque le niveau là. Pièce... La pièce de 10 dans les profondeurs de la forêt. Hmm.
Au cas où, on prend un champ pipi. Plus profond de la forêt, hein. Faut tomber, quoi. Comment ils s'appellent déjà? C'est pas des Galumba. Je croyais que c'était l'équivalent des Galumba. Ah, ok. Ça aurait été bien d'avoir un... un hélico, là. Ouais, ça c'est nul. On peut faire 100 normalement. Objectif, tomber efficacement. Juste au cas où. Allez. Il faut tout remonter. Je m'en fous, je vais direct à la fin. Je suis pas là pour le score. Je suis là pour le temps. Mario Time, et combien justement? Ouais. Il était sympa. On va avancer un petit peu parce que c'est bientôt la fin de cet épisode. L'aventure express de Link. Oh, génial! Transformer en Link avec la musique. On commence bien. Alors, je sais qu'il y a les bombes, il y a l'arc. Voilà, arc. Les bombes. Y avec O, ok. Ah, ça me fait des dégâts. On commence bien. Ça aussi, c'est quand même malin. Oh, la musique. Ah! Bah, il peut pas faire les attaques bas. Ah! Le fameux coup. Voilà. Je m'entraîne. Voilà. En bas plus Y. Aïe. Dis-moi qu'il y a une épée après. Oui, ça va. Bon, il y a même une vie. Ah. Plus efficace quand tu fais comme ça. Mon dieu, c'est canon. Non.
Ah. Nul. On n'est pas là pour faire le record, hein. Gros frère marteau, là. Attends, comment je passe? Bah, merde. Je suis bête, là. Malin, malin. Un peu zinzin ce niveau, je dois le dire. Un peu zinzin. Bon, par contre, j'ai fait un très mauvais score, hein. Ça, c'est sûr. Honteux. Honteux. Mais au moins voilà, j'ai le costume en entier. Il reste plus qu'un. Avalanche de boules de neige. Alors. Sans se presser, t'inquiète. Ah. Ah. Eh ben. Oh, Peach. Bon, moi ça tue pas les boules de neige, c'est déjà ça. Dans la tête, voilà, c'est bien. Aïe. Ah, Peach encore. Ah, dommage. Profite-en pour aller loin. Voilà. Écoute, chope un truc. Sait-on jamais. Ça, c'est pratique. Voilà. Allez, bon, on va la retenter celle-là. Un peu plus d'action. Quand c'est réflexion, c'est un peu plus dur, je trouve. Allez, tout le monde s'est optimisé à fond sur ce niveau. Les picots, ça pique. Cela dit, je fais ça et je fonce. C'est pas mal. Voilà. Gaffe. Ouais, même si c'est pas très speedrun, tant pis. Je m'assure. Petite sauvegarde de vie. Quoique j'étais à la fin. Ah, quoique j'aurais pas pu faire ça. Pam pam pam.
Alors, dis-moi tout. Eh ben, c'est pas mal. Et c'est la fin du coup de ce let's play. On a pu découvrir. Encore des choses à découvrir. C'est la fin de ce let's play. En tout cas, on a pu découvrir nos amis les ninjis. Les courses contre la montre. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Si vous avez des super mondes que vous voulez que j'essaye, vous me le dites. Regardez là, on ira voir ça. Sauver Peach. Et on ira tester du coup ces super mondes. Allez, à très bientôt. On like, on commente, on partage, on s'abonne. Et on fait comme Gripsune qui a sponsorisé cette vidéo. On rejoint ma chaîne pour me soutenir. Salut à tous!